bato bazana suka kuna bazana geste prophétique na moni ba mosusu bazo yemba atelemi likolo akiti de la même manière qu'on telemi likolo akiti destiné na yo et prendre en vol. Tu l'as conduit depuis Abidjan, Seigneur, dans les engins fabriqués par les mêmes hommes. Tu l'as emmené en ces lieux, papa, et nous savons que tu vas te manifester récemment. Depuis le premier jour, Seigneur, nous avons ta gloire dans cette conférence. Et nous savons que tu vas encore te manifester, parce que chaque jour, Père éternel, tu nous parles. Nous prenons possession, Seigneur, de sa vie, de toute ta délégation. Son arrivée ici à Kinshasa, nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, les esprits d'accueil, les filatures, les esprits qui l'ont poursuivi depuis la Côte d'Ivoire pour perturber son séjour en ces lieux. Je m'en vais anéantir cela au nom de Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur, la couvre son enfant et toute sa délégation. Nous savons, Seigneur, ils sont venus en bonne santé et vont aussi repartir en bonne santé pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi que nous disons Amen. Amen. Voilà, messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs de MTV+, et vous tous qui nous suivez grâce à l'ensemble de nos canaux digitaux. Je suis heureux de vous retrouver sur cette antenne et vous passer donc le bonsoir depuis la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale que nous avons foulée tôt ce matin, autour de 7h du matin, heure locale, en provenance d'Abidjan, avec une forte délégation conduite par révérende pasteur Tania Ouattara, l'épouse du bishop Ouattara Mohamed Idriss, fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes au cœur des événements, juste derrière moi, vous pouvez le lire. Nous sommes donc au siège du ministère chrétien du combat spirituel. C'est ce ministère qui organise un double événement, événement auquel participe donc révérende pasteur Tania Ouattara. Et dans quelques jours, il va nous rejoindre ici, le père de l'église Ambassade des Miracles, bishop Ouattara, qui viendra donc en renfort pour prêcher à ce programme inédit. Dans cette capitale, nous célébrons plusieurs événements. D'abord, le 30e anniversaire de l'existence de ce ministère, mais aussi un 5e symposium organisé concomitamment par les leaders qui ont été laissés à la tête de cette église par les patriarches Olangui. Le père et la mère Olangui, vous le savez, ont tiré leur révérence, mais l'église demeure debout, elle est plus que jamais dynamique, vous l'entendez derrière moi. C'est une salle d'environ 150 000 places assises, archi-comble. Les événements se déroulent ici et au fur et à mesure, nous allons vous faire un compte-rendu détaillé, minute après minute, de tout ce qui va se passer ici. J'aimerais donc souligner que dès demain, le pasteur Tania Ouattara va fouler la scène de cette église pour la première fois pour son tour de prédication. Maman Tania est donc attendue ici, elle a été reçue tôt ce matin par pasteur Ketsia Olangui, c'était à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Eh bien, c'est une forte délégation qui s'engage à vous relater l'ensemble des grandes articulations de cet événement qui va courir jusqu'au 31 octobre prochain. Nous sommes ici et croyez-moi, vous ne manquerez absolument rien des temps forts de cette double célébration grâce à votre chaîne préférée MTV+ et grâce bien sûr à l'ensemble de nos pages Facebook mais aussi à notre compte YouTube. Nous sommes là avec une équipe renforcée, Bachal Miracle nous permet de voir ces images et Axelia, l'immense photographe du bishop Ouattara est de ce déplacement, il est avec nous et il sera là jusqu'au bout. Mesdames, Messieurs, l'engagement est pris, nous allons tenir donc cet engagement. Soyez avec nous, soyez fidèles à l'ensemble de nos programmes. On vous retrouve dans quelques minutes pour vous montrer une autre facette de ce grand ministère, un ministère archi-équipé, une bâtisse impressionnante. Tout à l'heure, je vais vous montrer une petite séquence à partir de l'intérieur de ce temple d'où bouillonnent des dizaines de prédicatrices depuis l'entame de cette convention dédiée aux femmes du ministère chrétien du combat spirituel. A tout à l'heure. Que quelqu'un pense, que quelqu'un pense, c'est mon prochain.
Eh bien, chers téléspectateurs, comme je vous l'ai promis tantôt, nous nous trouvons cette fois-ci à l'intérieur de la Cité de Triomphe. La Cité de Triomphe, c'est tout simplement le nom du siège de cette église, le ministère chrétien du combat spirituel fondé par les patriarches Olongui qui ont tiré leur révérence. Mais cette église, je l'ai dit, reste debout. Et vous le voyez tout juste derrière moi, cette scène incroyable. Elle sera foulée demain par la révérende pasteur Tania Ouattara. Elle est venue de Côte d'Ivoire en tant qu'oratrice invitée à cette 13e convention des femmes de cette église. Et maman Tania sera là demain à 13h pour prendre la parole de manière officielle. Juste le temps pour vous de vous faire une idée de la grandeur, une idée de l'immensité de ce temple. Comme vous l'ai dit, c'est à peu près 150 000 places assises, sans compter les ADS que vous voyez partout sur les images de Bas-Charles. On se retrouve donc demain, toujours en direct depuis Kinshasa. Ça a été un réel plaisir de conduire cette journée. Merci à vous et restez fidèles à l'ensemble de nos programmes sur MTV+, la télé qui transforme.